Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on est sur Froggen, un petit jeu aux allures de PS1, donc un petit jeu de plateforme. Et là donc on a une carte un peu comme les Mario, hein, donc voilà, donc là j'ai déjà fait deux niveaux, hein. Donc je suis au début du jeu bien sûr. Et là je peux vous dire que donc le jeu n'est pas évident à prendre en main, donc notamment donc avec son Froggen, hein, bien sûr. C'est l'élément le plus important du jeu. Ici donc les pièces, on a l'impression qu'on est dans un petit Zelda avec le bruit, hein, qu'on ramasse des pièces. Donc c'est assez sympa au niveau donc du sound design pour les pièces. Donc voilà, et le jeu va s'axer sur un platforming où il va falloir aussi, il y aura quelques petites énigmes, voilà, notamment je vais vous faire voir des petites logiques de gameplay qui permettra de récupérer donc une tonne de pièces, hein, bien sûr, et tous les joyaux du niveau, bien sûr. Voilà, donc après le but, hein, y a toujours des collectibles. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hop. Ici, il n'y a pas de souci à avoir. Donc si on veut avoir le diamant en haut, voilà, on va aller voir ça. Donc n'hésitez pas à orienter donc la caméra, hein, bien sûr, de façon à ce que vous pouvez bien faire ça. Voilà. C'est important de jouer avec la caméra parce que en gros vous serez dans des positions donc là pour bien sauter, hein, voilà. Donc, hop, voilà, pour bien sauter, hop, voilà. Vous voyez, c'est assez important. Donc on peut aussi sauter sur les ennemis apparemment. Donc là, on va récupérer la petite pièce. Boum, 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 boum. Là, on va tout casser. Donc là, on est arrivé au checkpoint. Hein, tout simplement. Et ici, si je franchis... Alors là, ça m'inquiète parce que... À moins que... Ah oui, 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 on va peut-être arriver de ce côté. Ouais, donc c'est bon. Donc pas de soucis. Voilà, normalement on va... Tiens, un manche à l'aubergine. Bon, c'est pas une aubergine bien sûr, mais... Alors, ouais, j'ai compris. D'accord, ok. Donc, si vous voulez, hop, voilà. Là, si on se foire. Voilà, hop, voilà, comment. Donc là, à mon avis, hop, il faut se dépêcher un petit peu, voilà. Donc il y aura toujours des petites choses comme ça à faire, hein, pour, voilà, pour récupérer tel ou tel truc. Hop, voilà. Hop, voilà. Toujours orienter sa petite caméra. Alors ici, bah, on s'en bat un peu les steaks, hein, voilà. Et voilà. On a réussi donc le premier, donc on va dire le troisième niveau, hein, bien sûr. Et c'était le premier de la vidéo. Donc voilà, donc là après on a, hein, voilà, le temps qu'on met, notre fond, enfin bref, voilà. Là, les coins, j'ai pas tout trouvé. J'ai pas tout trouvé. Les émeraudes, pareil, donc il y aura plein de petites choses à trouver, hein, donc voilà. Après, par la suite, j'essaierai de fouiller un petit peu plus le jeu, hein, comme tous les bons vieux jeux d'avant, hein, voilà. Et ici, on va enchaîner un deuxième pour voir le deuxième niveau, pour voir un petit peu. Donc tous les niveaux, voilà. Donc c'est à peu près sur le même thème, hein, mais ça va au niveau des plateformes, ça va, ça renouvelle quand même un petit peu. Même si c'est toujours le même thème, on va dire là, on est un petit peu sur les temples et tout ça. Par contre, voilà, au niveau donc du son et tout ça, je conseille de le mettre à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc 6 en musique, 8 en volume. Et pour les pièces, bah c'est pas un son qui est très chiant. Hein. Donc moi j'aime bien entendre le son des pièces, voilà. Histoire de bien. Voilà.
C'est le plus important pour moi de récupérer toutes les pièces. Donc voilà. Et on voit que le son, il est pas trop fort. Et puis, c'est plutôt agréable à l'oreille. Parce que sinon, oui, ça serait un petit peu trop fort. Hein. Boum, boum. Alors, les ennemis, je les trouve un petit peu rigolos. Hein. Donc voilà, des sortes de vieilles souris toutes pourries. Alors, ici, on a un drôle de truc. Comment ils ont fait ça? Donc là, on peut tourner la caméra. Et ici, eh ben, on utilise son petit Froggen. Voilà, tout simplement. Alors, là, ça va être un... Ah, ouais. Ah, wow. Hey! D'accord, bah comme ça, ça va permettre de voir un petit peu tous les possibilités qu'on a dans le jeu, hein, pour trouver les choses, hein, comme je disais, hein, un petit peu de puzzle, donc voilà, pour essayer de récupérer un maximum de pièces. Donc là, on a les pièces rouges un peu comme les Mario Bros. Hey, regardez. Bon, je m'amuse un peu avec les pierres, mais bon. Non, ça va, les pierres, elles sont pas très dangereuses. Donc c'est pour ça que je m'amuse un peu avec. Bon, là, il n'y a rien de caché. Alors, voilà. Donc, quand on meurt, on refait tout. Il faut avoir... Voilà. Bon, comme ça, ça permet aussi de voir, hop, un petit peu. Donc là, on va le faire à l'arrache. Donc, on va essayer de récupérer tout à l'arrache. Voilà. Hop, là, on va le faire en version... Hop, version plus rapide. Allez, tac, tac, on se foire pas. Parce que j'aime pas après que ça dure trop longtemps. Voilà. Donc là, on enchaîne. C'est là, ça va être le marathon. Hein. Voilà, apparemment. Allez. Donc après, ouais, je fais des angles un peu bizarres, hein, dans les jeux un peu 3D comme ça. Ouais, j'ai tendance à utiliser des angles un peu bizarres, mais bon. Cette plateforme, elle fait quoi, là? C'est quoi, cette plateforme? Elle ramène dans un trou. Ben, on va y aller. Allez. J'avais pas vu, hein, donc il y a beaucoup de choses comme ça, un peu cachées, apparemment. On va aller voir, hein. Voilà. Je suis sûr que c'est une petite zone secrète qui va nous ramener ailleurs. On sait pas, on va voir. Hein. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Comment elle est... Ah oui. Ah, ok. Super. Bon alors... Ok, donc on a trouvé une zone secrète. Mais on s'est bien fait péter la tronche. Ok, donc bah ça... Ça, j'avais pas vu. Ah, ils m'ont... Ah ouais, même dans les niveaux bonus, on peut mourir. Ah, c'est vache. Ouais, je me suis dit, bon voilà, mais en fait, c'est un petit niveau bonus, mais un peu défi aussi. Alors, on va essayer de gruger le jeu un peu. On va essayer de refaire tout ce qu'on fait. Après, voilà, il y a une touche. Attends, voilà. Il y a une touche qui permet de pouvoir bloquer son tir et de mieux viser. Hein. Donc voilà, comme ça, on fait voir un peu tous les éléments. Après, bien sûr, quand on a l'habitude, ça devrait pas poser de problème. Je voulais essayer de gruger le jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au panneau de checkpoint. On va le faire à ma méthode. Ma méthode, c'est... Ça va être sympa. La petite musique, je la trouve assez sympa quand même. Hop, voilà. On va faire ça. On va récupérer toutes les pièces là. Alors ici, on va... Hop, on va utiliser la... Ah, voilà. Donc là, en fait, on va assurer le saut. Ah. Je suis sûr qu'elles peuvent nous tuer, les pierres.
paraissent pas dangereuses, mais faut s'en méfier. Voilà. Voilà, comme ça, on va pas tout refaire. Et là, on va aller dans le niveau bonus. Tout simplement. Oula. Donc voilà, comme ça j'ai touché le checkpoint et puis comme ça bah au moins jamais je foire le truc. Je peux ne pas perdre ma progression. Alors attendez. Ah oui, donc il faudra tout de suite enchaîner apparemment. Ok. Ici on a le droit de souffler 2 secondes. On va orienter un petit peu comme ça, voilà. Voilà. Ça c'est quoi ça? On sait pas ce que c'est, hein. C'est un crâne bizarre. Et voilà, on a réussi le petit truc. Donc c'est un petit truc en plus, un crâne violet. Qui nous servira plus tard. Voilà, comme ça on retouche le truc. Bon. Voilà, comme ça en fait, ça permet de valider votre crâne. Alors là, ah oui, voilà. En fait je suis gogol. Voilà, c'est tout simple, hein. Voilà. Je fais le gogol. Voilà. Donc ici, comment on peut... Ah oui. On saute. Ouais. Je sais pas, j'étais en train de vouloir tenter un truc. Ok, excusez-moi pour hop, ce manque de discernement sur les plateformes. Là, j'aimerais bien comprendre un petit peu. Voilà. Je devrais essayer de mettre plusieurs coups de langue. Ça devrait peut-être marcher. Après, j'ai aucune idée de voilà, comment le faire. Bon, on va tenter quelque chose qui sera peut-être plus simple. Là il nous embête avec ça. Donc on va voir. Et là on perd. Ah, ça m'embête de sécher un peu comme ça là. Là elle se noie. Ah merde, hein. Bon, comme je disais, hein, ça avait l'air simple et là on sèche sur un... En fait je suis sûr qu'il faut... En gros, ouais, il faut... Alors là, ça embête un petit peu, là. Parce que là, je suis en train de... Ouais. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de... Parce qu'en plus, ça a l'air de... Tout a l'air de se péter. C'est assez inquiétant. Ow!
Bon, alors là, je sèche. Là, je sèche. Là, je sèche un peu, là. Quand je devrais pas sécher. Peut-être en sautant. Il y a peut-être un... Il y a peut-être un truc. Hop, la logique c'est peut-être ça, c'est peut-être de... Ah voilà. Bon, on a réussi à... Alors, apparemment il faut faire son Froggen tout le temps. Aïe. On a quand même réussi à déjà à savoir comment aller sur cette plateforme. Après j'ai... Il faut aller... Ah oui, il faut peut-être coller ça à l'angle là. Alors je vous dis, c'est pas simple hein, de faire ça. Bon, maintenant on a vu un peu le truc. Ah ouais, bah non. Ah, il y a peut-être... Ah, j'ai peut-être... J'ai peut-être vu, il y a peut-être possibilité de faire un truc. Ah. Je pense qu'il y a un truc. Voilà. Ah, mince. Voilà. Bon, voilà. Au moins comme ça, on aura réussi à un peu piger le truc. Bon là, ça serait con de se tuer. Hop, voilà. Bon voilà. Donc, au moins, on a persévéré et on sait comment réussir à avoir ces objets-là. Là, il y a un moitié énervé là. Non, il est vénère de partout. Hey. Voilà. Voilà, on pète tout. Voilà, en l'air. Boum boum boum. Bon bah, je pensais que une pique pouvait nous tuer, mais non, en fait, ça va. Ils sont cléments avec ça. C'est bon à savoir. Par contre, ouais, là, je sais pas, il y a un drôle de truc à faire. Ah ouais, d'accord, j'ai vu. C'est bizarre, hein, mais on voit pas tout du premier coup. Et d'un seul coup... Heureusement qu'on avait trouvé le checkpoint. Hey. On fait un peu à l'arrache. Hey. Hey, hey, hey. Après, à la fin, elle va crever. Alors, il me reste plus qu'un point de vie, j'ai l'impression. C'est bon, calme-toi. Alors, heureusement qu'on a une musique tranquille, hein, une petite musique sympathique, parce que sinon, on pourrait vite s'énerver sur les fast plateformes. Donc ça va. Viens par ici, petit bloc. Donc là, c'est sympa, franchement. Allez. Donc, ce qui est bien, c'est que le jeu, voilà, malgré que ça soit un petit jeu,
il offre quand même des... Voilà, un petit challenge quand même. Donc là... j'ai foiré. Alors là, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, mais ouais. Ok. Voilà. Là, j'avais vu un levier jaune. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. On va faire tout ça à l'arrache. Allez, hop. Donc voilà. Donc malgré que ça soit un petit jeu, bah ouais. Il offre un peu de challenge. Ça, c'est bien. Moi, les niveaux, on va pas les torcher en 2 secondes. Après, bien sûr, voilà. Hein. Moi, je joue tranquille. On découvre le jeu. Comme ça vous permettra de voir un petit peu ce que donne le jeu. Moi, c'est plus facile comme ça. Hein. Voilà. Ah ok, d'accord, il y aura un pot. Ah bah c'est bon, on y arrive. Apparemment, j'ai oublié des pièces. C'est quoi cette histoire? Ah mince. Bah. Alors là, le vieux coup classique, hein. J'avais oublié que l'eau me tuait. Vraiment très con. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai complètement déconnecté là. Donc on voit, hein. Voilà, il suffit que... Hop, voilà. Ouais, j'avais oublié qu'elle savait pas nager, donc c'est un peu con. C'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Au moins comme ça. Je sais pas, là je fais beaucoup de conneries là. Là je suis en train de buter sur un niveau qui a pas l'air vraiment très dur hein, pourtant. Et pourtant. Au moins comme ça vous permet de voir un petit peu que le jeu il est quand même assez vicieux sur ses phases de plateforme. Par moment. Comme je vous ai dit, hein, c'était pas évident, c'est pas forcément. Le personnage il se manie plutôt pas trop mal. Hein. Mais les petits coups comme ça. Donc là, on va essayer de pas déconner. Notamment avec la flaque d'eau. Bien sûr. Mais alors là, il nous manque deux pièces, mais je sais pas où ils les ont garées. Bizarre. Bon. Bah voilà. Donc c'était un petit peu difficile. Hein. Voilà, sur ce quatrième niveau. Je suis mort 27 fois. J'en ai pris plein la tête. Voilà, tout simplement. Je me suis foiré de mille façons, j'ai cherché comment obtenir tel ou tel truc. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite vidéo découverte, que vous savez un petit peu bah, qu'est-ce que ce jeu. Et on va se donner pour de nouvelles aventures, un nouveau rendez-vous sur O80 Gaming. Et aventuriers et aventurières, portez-vous bien et à la prochaine!